Alors, maintenant, mon invité est surprise. Eh bien, c'est la première fois que je l'accueille. Vous allez voir, c'est une demoiselle qui chante très très bien. Elle revisite la chanson française. Et là, elle va nous interpréter une chanson que chantait donc Marie Laforêt, hein, belle chanteuse. Ça s'appelle « Les vendanges de l'amour ». Madame Maurène, sous vos applaudissements. Nous les referons ensemble demain, les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui, la vie toujours rassemble, malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage, un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne, enfin pour le pire et le meilleur. Nous les referons ensemble demain, les vendanges de l'amour. Car je sais que tu ressembles, oui, je sais que tu ressembles comme deux gouttes d'eau à l'amour. Ma comparaison peut-être sur tes lèvres fera naître un sourire en guise de discours. Mais pourtant j'en suis certaine, ce soir autant que je t'aime, oui, ce soir tu ressembles à l'amour. Ensemble, nous les referons ensemble demain, les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui, la vie toujours rassemble, malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage, un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne, enfin pour le pire et la meilleure. La 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 la. Merci Maurène, c'est bien ça, les vendanges de l'amour. Alors, vous le savez peut-être pas, mais cette chanson a été écrite par quelqu'un qui a amené le rock'n'roll en France, bien avant Johnny Hallyday, avant Eddie Mitchell, les Chaussettes Noires et tout ça. Il s'appelle Daniel Gérard. Vous vous rappelez Daniel Gérard avec sa guitare et son chapeau, tout ça. C'est lui qui a écrit cette chanson pour Marie Laforêt. Voilà, vous savez tout. Un peu de culture, ça fait jamais de mal à personne. Allez, on va maintenant bien saluer la SACEM et la Spedidam, donc, qui sont nos partenaires dans l'émission. Et dans mon magasin, alors j'ai Maurène, justement, qui revisite les années 70-80, très bien.